Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Great Ace Attorney Chronicles. J'espère que vous allez bien et nous allons dans cet épisode continuer le contre-interrogatoire de ces deux loustiques aux cheveux rouges. C'est parti. L'homme, la photographie. Alors, nous avions plus de 1000 personnes rassemblées sur cette place ce jour-là. 1000 personnes, c'est une très grande foule. C'était plutôt un spectacle, c'était un plutôt beau spectacle. Les cheveux rouges comme ça venant de toute la capitale. Le chef ici est un animal magnifique, n'est-ce pas? Personne d'autre ne pourrait attirer autant de monde. Si je pouvais naître à nouveau, ce serait je voudrais être le chef. Génial. On a un fan de Rousseau direct. All those people wanted, tout ce que ces gens voulaient, c'était de l'argent, Pepinho. C'est 4 pounds par semaine. Suggérez-vous que vous avez personnellement parlé avec chacun des 1000 participants. Oui, ça nous l'avons fait. Parce que chacun d'entre eux nous payait 5 shillings. Ils ont pris leur nom et nous avons pris leur argent. Nous avons pris leur adresse également. Et ensuite, je leur ai dit de prendre quelques jours. Et nous les laisserions savoir par un poste et finito. Peut-être 2 minutes par personne. 2000 minutes, ça fait beaucoup. Nous avons commencé très tôt dans le matin. Enfin, tôt le matin, et nous sommes arrêtés tard le soir. Donc, vous avez gagné 5000 shillings en un jour. C'est une petite fortune. C'est pas mal. Qui aurait pensé qu'il y avait 1000 personnes. Qu'il y avait 1000 personnes avec des cheveux rouges dans Londres pour commencer. L'un d'entre eux était le grand détective qui a chimiquement altéré ses cheveux. L'aile. Alors c'est peut-être pas qu'ils aient les cheveux rouges mais qu'ils soient tous ressemblés, qu'il y a 1000 cheveux rouges qui sont un peu teubés quoi. Mais je me rappelle pas cet homme en photographie. Il ne semble pas du tout familier. Non, je ne crois pas. And this is a wig. Et c'était un flic. Non, et c'est une. C'est une perruque, c'est ça. Il essaie de nous tromper. J'aime pas les gens qui essaient de nous tromper. De tromper les autres gens. Loul. Dis le. Oui, c'est ça. Dis le trompeur. Un bacon artiste, c'est quoi? C'est un faussaire, mais c'est pas vraiment un faussaire. Bref, dis le gars qui fait une tromperie, quoi. Et si entre-temps, ils ont interviewé 1000 personnes avec des cheveux rouges, il semble raisonnable de penser... Non, il ne semble pas raisonnable de s'attendre à ce qu'ils se rappellent de chacun d'entre eux. Non, signoré, je peux être petit, mais ma mémoire est très large. Je n'oublie jamais quelque chose. Dans mon opinion, je ne crois pas que cet homme était dans le parc. Mais il ne va pas donner à la cour une preuve solide, il semblerait. Enfin, non, une version définitive plutôt. C'est pas une preuve, c'est déclaration définitive. Et chef, tu n'as pas vu cet homme non plus, non? N'est-ce pas? Non, je ne me rappelle pas de lui, et évidemment, il est mort maintenant, mais je vous assure qu'il n'était pas dans le parc. Ah, lui, il nous dit qu'il n'était pas dans le parc. En accordance avec ce que vous avez dit, vous avez parlé avec plus de 1000 personnes ce jour-là. Oui, c'est vrai. Mes yeux étaient brûlés à la fin de la journée. Et certainement alors, vous ne pouvez pas vous rappeler de chacune des têtes que vous avez vues. Comment pouvez-vous être certain que cet individu particulier n'était pas présent? Normalement, les cheveux rouges sont très distincts, n'est-ce pas? Mais pourquoi pas quand vous avez 1000 personnes de cette chevelure rassemblées autour de vous? Dans ce cas-là, c'est juste... un eyesore, c'est quoi eyesore? C'est... Je sais pas. J'ai pas inventé le mot. Hein. Quelque chose qui est très moche. Spécialement des bâtiments, mais là du coup, ok, c'est juste moche, très bien.
Mais s'il y avait une autre information que vous pourriez nous donner, peut-être que nous en rappellerions. Ce n'est pas le chemin à prendre, Pépino. Rappelle-toi, nous ne nous rappelons pas de lui. Nous sommes sûrs de ce fait, n'est-ce pas? L'aile. S'il y avait un homme avec une perruque rouge, mais que sa moustache ne corresponde pas à sa couleur, alors je ne pense pas que nous puissions l'avoir oublié. Kazuma dit qu'ils n'ont seulement vu la photographie qu'ils n'ont rien reçu d'autre comme information. Est-ce qu'on voit sa moustache? On voit sa moustache. Dommage. Et si je lui donnais un autre détail à propos de la victime? Par exemple, sans fish and chips. Fish and chips, direct. On va sauvegarder, mais c'est fish and chips. Il a forcément des fish and chips, même sous couverture. Je peux certainement apprécier que juste connaître que l'homme avait des cheveux rouges ne vous aideriez pas à vous le rappeler dans cette situation. Mais si je vous disais que cet homme mange toujours un paquet de fish and chips, rappelez-vous d'un homme de cette qui mangeait constamment? Pas vraiment. Je ne regardais que la tête des applicants. Je n'aurais pas remarqué The Fish and Chips, ni pas plus que du caviar et du saumon fumé. Après, si on dit le nom, ils l'ont écrit, hein, donc ça leur dira peut-être. Spaghetti, moi, je love le spaghetti. Vraiment, il n'y avait aucune idée. Tammy, qu'est-ce que vous avez dit, Popino? Ah si, Capo, si. Je le dis et je le redis. Ouais, bah du coup, on va pas faire ça. On va faire le nom. C'était pas le fish and chips. Vu qu'ils ont noté le nom, je réalise. Est-ce que le nom leur dit quelque chose? Blablabla. Hop. Je martèle le bouton A. Parce que du coup, vu qu'ils ont écrit tous les noms, ils ont consigné tous les noms. Je peux certainement apprécier blablabla. Et si je vous dis que le nom était Gregson. L'homme dans la photographie est Monsieur Gregson. Oui. Les noms c'est chiant. Je n'ai écouté aucun d'entre eux. Ah. Ce n'est pas une vraie interview, c'était juste pour un show. Pourquoi je me rappellerai des noms? C'est cela, et cela ne change rien. L'homme de la photographie n'était pas là, et comme nous l'avons déjà dit. Je vois. Il semble qu'il n'y a plus à gagner en poursuivant ce point plus loin. Blablabla, ok. Six capots, alors du coup on va directement... Ah quoi que... Non, parce que vu que j'ai... Non, on va refaire ça. Je préfère le faire comme ça parce que je me dis que si je sauvegarde, ça se trouve, faut que je fasse les trois, je sais pas trop. On est pas à ça près. Bla 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 bla. Ça se trouve, c'est aucun des trois. C'est probable d'ailleurs. Pourquoi sa profession pourrait... S'il était sous couverture, donc ça ne change rien. Je pense que ça change rien. Celui que cet homme était en fait un détective. L'homme dans la photographie, un détective, il va confondre avec Sholmes, oui. Il semble qu'il ait remarqué dans le papier journal et décidé d'enquêter incognito. Désolé, mais ça ne change rien. Ah. Pursuit. Excuse me. Avez-vous quelque chose à ajouter, monsieur De Rossi? On sent que c'est lui qui est un peu con. Ouais, moi, oui.
J'ajoute toujours quelque chose, du parmesan, de l'huile d'olive, du poivre. Ce que je veux dire, c'est... N'êtes-vous pas d'accord avec ce que votre... la dernière remarque de votre ami? Vous n'êtes pas d'accord avec la remarque de votre ami par chance. Qu'est-ce qu'il vient de dire à propos du détective? Oui, ça. Ferme ta gueule, Pépino. Nous en avons dit suffisamment. Mais pourquoi, Capot? Quel est le problème? Il y avait un homme qui a dit, je suis l'inspecteur de Scotland Yard. Quoi? Point d'exclamation. Bonté divine. Ben voilà, Pépino, yes. Bon, je sais pas pourquoi il a pris l'accent du sud, l'italien, mais c'est pas grave. De l'ordre, de l'ordre, de l'ordre. Expliquez ce volte-face dans votre témoignage, témoin. C'est simple. Un homme était était dans le parc et il a dit, il n'y avait pas de tel homme, Loul. Un homme a dit à la parc a dit qu'il était un détective. Il n'y avait pas de tel homme. Mais qu'est-ce que tu dis, Capot? L'as-tu oublié? Je n'ai rien oublié du tout. Personne comme ça n'est arrivé dans le parc. Mais basta, Capot, basta. Tu me bats dans plein de choses, mais pas de la mémoire et les repas. Comme je l'ai dit, quand c'est le moment de manger de l'heure, de manger des pâtes, pardon. Personne n'est plus rapide. Mais tu es inférieur à moi dans chacun des autres aspects. Donc, ferme ta gueule. Objection. Obstruction de la justice, monsieur. Paf, paf. Trop tard. Les dégâts sont faits. En effet, monsieur. Oui, il y avait un homme qui est venu au parc et qui a dit qu'il était un inspecteur de Scotland Yard. Cependant, il ne ressemblait en rien à l'homme de cette photographie. C'était quelqu'un d'autre. Comment pouvez-vous en être sûr? Parce que, pour commencer, sa tête était complètement différente. Si, c'est tout, c'est vrai, il se vrai, il se vrai. L'homme qui est venu était plus jeune. Sa tête était propre et... Enfin, était plutôt... était rasé, pardon. Était rasé, ses yeux étaient plus tristes et son menton était plus fin. Est-ce que ce ne serait pas lui par hasard? Je pense que c'est lui. Aucune ressemblance, donc. De toute façon, je ne veux pas dire... Je n'allais pas être trompé. J'ai pris une précaution évidente et lui ai dit, si vous êtes vraiment un détective, montrez-moi une preuve. Voilà, le chef ici, il ne prend pas ce n'est pas n'importe qui. Bah, il se fait pas avoir, quoi. Mais il était préparé, il a dit, j'ai une identification. Identification? Vous voulez dire une identification officielle d'inspecteur de police? Mais c'est les plus inconvénients. Pardon, votre honneur. Conseiller. Aucun inspecteur sous couverture n'offrerait son identification pour être inspecté. C'est hors de question. Définitivement. En effet, pourquoi exposerait-il sa vraie identité? Clairement, les journaux sont faux. Oui, chef, tu es un génie. Comme c'est le cas en Italie, on a besoin d'un grand voleur pour en reconnaître un autre, n'est-ce pas? Et que s'est-il donc passé après qu'il ait annoncé qu'il était un détective? Il est devenu très ennuyant. Il a dit, vous êtes sous enquête. Donc j'ai pris ses papiers et je l'ai chassé en dehors du parc. C'était fantastique. Regardez, il y a une identification. Donc vous avez volé l'homme. Vous l'avez volé de l'homme. Il l'a vu venir, il nous a fait peur. Mais il n'était pas celui qu'il dit qu'il était. En effet, la personne décrite ne semble pas se comporter comme un vrai inspecteur. Cependant, j'aimerais que vous... oui, il serait plus prudent de faire entrer ces papiers d'identification en tant que preuve.
Mais je les aime bien. Ok, les papiers d'inspection. Alors on va aller voir ce que c'est. On va s'empresser pour aller voir ce que c'est. Maintenant, retournons au témoignage des témoins. The court record, identification man. On va ouvrir ça. Ça va être qui du coup? Est-ce que ça va être vraiment celui de Sholmes? Enfin de Sholmes, de... pas de Sholmes, de Gregson qui s'est fait voler? Ou c'est autre chose? Police, warrant card. Ben, je suppose que je devrais voir à quoi ressemble l'inspecteur, l'identification d'un inspecteur. Ah. Police, il n'y a pas de photo. Oui, cela semble vraiment faux, n'est-ce pas? Par intérêt, quel nom est-il donné? Probablement juste quelqu'un qui est... oui, c'est ça. Jeté de n'importe où. C'est Tobias Gregson. Ah, attendez, quoi? The Scotland Yard Insignia. Donc cet insigne du Scotland Yard me semble réel. Mais comment? Et le département et le nombre et le numéro d'identification sont tous corrects également. Et depuis quand connais-tu ça? Est-ce que tu veux dire que... Je sais que cela semble incroyable, mais oui. Je crois que c'est la c'est le vrai livre d'identification envoyé par Scotland Yard. Mais c'est incroyable. C'est donc le vrai truc après tout? Est-ce qu'il se serait pas fait voler le carnet? Mais c'est vraiment celui de Gregson du coup. Ah. Bah si c'est vraiment celui de Gregson... Un instant. I have nothing to do with us. Bah du coup, excusez-moi, mais si en fait. Si je te présente le carnet. Paf. Objection. Je me demande si je peux vous demander d'examiner ce livre d'identification de manière plus intrigante, Miss Lestrade. Pourquoi Miss Lestrade? Quelle est votre intention ici, conseiller? Est-ce vraiment un faux ou est-ce un vrai? C'est la question. Nous ne pouvons pas y répondre nous-mêmes. Objection. Ne soyez pas ridicule. Aucun détective de Scotland Yard n'autoriserait ça. Que son identification soit volée. Un instant. C'est celui du boss. Aucun doute là-dessus. Ça peut pas être le cas. Comme je le suspectais. Le détective sous couverture qui est arrivé au Red-Headed, le jour en question, était le vrai inspecteur Gregson qui réalisait son enquête incognito. Bah du coup, si ça se trouve, il faisait pas du tout une enquête incognito. Hein. Mais zut alors. L'aile. De l'ordre, s'il vous plaît. Mais si le boss avait son identification volée, il l'aurait rapporté... Enfin, il l'aurait... il en aurait fait un rapport directement. Ce qui veut dire... Oui, il était toujours sur moi pour ce genre de truc. Si tu perds quelque chose, tu en fais un rapport au plus vite, il disait. Se pourrait-il alors que l'inspecteur était physiquement incapable d'en faire le rapport? Physiquement... qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Incapable de... tu n'es pas en train de suggérer que... Bah si. si, il est plutôt possible qu'il ait été tué avant qu'il n'ait la chance de rapporter que son identification avait été volée. Bah si. Et si, Kazuma? C'est possible. De l'ordre, il n'y a pas les téléphones à l'époque. Hein. T'en prends un SMS, idée volée, j'arrive. De toute façon, c'est plus les mêmes, c'est plus un vieux book écrit à la main. alors, la défense positionne la victime. Enfin, se positionne en tant que. Alors. Non, la défense suppose que la victime a été tuée le jour avant que son corps n'ait été découvert dans un endroit différent. Est-ce que vous deux avez quelque chose à dire à propos de ça?
Bah, s'ils n'étaient pas louches, eux, il n'y aurait aucun doute à ce qu'ils... Enfin, ils auraient pas dû mentir qu'ils ne l'avaient pas vu ou quoi, donc... Je ne sais rien, ouin, je n'ai rien fait, ouin. Reprends-toi, Pépino. Mon dieu, tu ne peux pas te comporter comme ça. Tu peux pas te comporter un peu plus comme un maître criminel que ça, non? Ouin, non, je veux juste retourner en Italie. Ouin, 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 c'est fou. Mais arrête de pleurer, Pépino, s'il te plaît. Ou alors, je... arrêtez de chialer et commencer à parler. Eh bien, je crois que la cour va devoir entendre. Je ne connais rien. Moi, je n'ai rien fait. Insupportable. Mais vous allez nous dire tout. Ou alors, vous allez faire face à la sentence la plus... la pire. Vous allez sécher vos yeux, sécher vos larmes et témoigner à nouveau. À propos des papiers d'identification et des circonstances précises dans lesquelles vous êtes arrivé en possession. Il y en a un qui se lève et tu lui fous trois baffes, il arrête de pleurer, puis il chiale bien beaucoup plus. Et c'est pas efficace. Pour crier, pour crier. Non, pas crier, pour pleurer. Il pleure. Snifou. Detective and identification, mais je n'ai rien fait. The truth is, we took him prisoner and kept him for the night at our secret hideout. Pardon. Quoi? La vérité, c'est que nous l'avons fait prisonnier et que nous l'avons gardé pour la nuit dans notre cachette secrète. Même si je ne pensais pas que c'était un vrai détective, et j'étais trop effrayé pour le laisser partir ce jour-là, juste au cas où. Mais c'est encore pire si c'est un vrai détective, en fait. Mais déjà, d'où? Même si c'est un faux détective, tu le fous dans ta cave. Juste. Mais un vrai détective, c'est encore pire. Il t'a montré ses papiers d'identification, en plus. Allô? Nous avons pris l'identification de cet homme-là, et nous l'avons enfermé dans la pièce à côté de la nôtre. Il y a pu avoir une petite dispute, mais nous ne l'avons pas blessé. Et le jour d'après, nous l'avons laissé partir. Il a passé une nuit dans une belle pièce. Ce n'était rien comme une prison, vraiment. Ben non, en fait, du coup. Mais c'est honteux. Vous avez emprisonné cet homme. Ce n'est pas comme une prison. À partir du moment où tu retiens quelqu'un contre sa volonté, ça peut s'apparenter comme une prison. Dans tous les cas, c'est pas bien. Il était très confortable et calme et heureux, bien sûr, on y croit. N'est-ce pas, chef? Ce n'était jamais censé faire partie de mon plan, je le jure. Enfin, on s'en fout de ton plan, le fait est que tu l'as fait. Donc tu crois que c'est de ma faute, hein? Juste parce que j'ai eu la date du ferry, j'ai pris la mauvaise date du ferry, juste d'un seul jour. Je ne pense pas que c'était de ta faute, Pépino, je le sais. non, pas le favori, le capot, ce n'est pas juste. Putain, le con, quoi. Faut tout vérifier, hein. Vous aurez plein de temps pour vous refaire votre journée une fois en prison, gentlemen. Je n'y crois pas. Comment cela pouvait être un vrai détective? Mais même si c'est un faux détective, conseil de la défense, procédez à votre contre-interrogatoire. Donc, le jour avant l'incident, Gregson a passé une nuit confinée dans la cachette de ces deux mecs. Ouais, et il est mort. Ça sonne pas bon pour eux, hein. Mais ils m'ont l'air trop naïfs et trop cons pour faire ça. Donc c'est un peu chelou quand même. The truth is, nous l'avons fait prisonnier. Vous réalisez vraiment ce que vous dites là? Vous devez me croire, je n'avais aucune intention que cela n'arrive. Je suis sûr que le détective n'en avait pas l'intention non plus. Quoi? Est-ce que vous pensez? Mais il n'y avait rien d'autre que je puisse faire. Si, rien d'autre.
C'était notre premier crime pour le chef. C'était le premier crime pour le chef. Et c'était la fin de ce dernier. Je te l'ai déjà dit, Pepino. Ne me décris pas comme une tête pensante criminelle. Et qu'en est-il donc de votre cachette? Une vieille maison vide derrière le parc de Lime Street. Nous avons loué l'endroit pour 2 jours. C'était inspiré par l'idée du chef là, ici présent. Une idée impulsive, je dirais. Non, pas impulsive. Inspiré. N'est-ce pas, chef? Qu'est-ce que je suis supposé dire face à cela, hein, Pepino? Et c'est dans cette maison décrite que vous avez confiné l'inspecteur Gregson, c'est ça? Oui. Mais vous devez vous rappeler. J'étais sous l'impression que c'était un prétendeur, pas un vrai inspecteur. Mais ça ne change rien, en fait. Vrai inspecteur ou pas, tu n'enfermes pas les gens contre leur volonté chez des maisons, dans des maisons. Mais voilà, ça ne s'ajoute pas, cela dit. Si vous ne pensiez pas que cet homme était un vrai inspecteur, vous n'auriez eu aucune raison de le faire prisonnier, n'est-ce pas? Non, vous avez raison. Mais nous ne pouvons pas être complètement certains. Oui, enfin, et quand bien même. Ce n'est pas un fait valide. C'est quoi ça? Ah non, mais c'était pas un vrai inspecteur pour moi, donc je l'ai quand même enfermé. Quoi? T'enfermes les gens juste comme ça, toi. Génial. Même si je pensais que ce n'était pas un vrai détective, j'étais trop effrayé pour le laisser partir juste au cas où. Trop effrayé, pourquoi? Mais parce que... pourquoi était-il venu sur le parc? Nous ne le savions pas. Il y avait une chance qu'il voit au travers mon plan. Et si c'était le cas, il serait allé jusqu'à la police station pour nous exposer. Et s'il était juste prétendument un inspecteur et qu'il nous voulait du mal, hein, sans aucun doute. Je crois que la plupart des gens seraient d'accord à dire que vous faisiez quelque chose qui n'était pas bien. Vous faisiez quelque chose de mal. Eh bien, oui, vous avez peut-être raison. N'est-ce pas, chef? Le point est que nous n'étions pas capables de nous échapper dans l'Angleterre immédiatement. C'est pour ça que nous n'avions pas d'autre choix que de rendre cet homme prisonnier. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi l'inspecteur a eu le besoin de montrer son identification en premier lieu. Si, je me suis posé la même question. Nous écrivions le nom et les adresses de tous les gens qui nous donnaient 5 shillings pour ce jour-là. Ah ben donc vous avez bien écrit les noms. J'ai oublié le nom qu'il a dit, mais l'adresse, cela m'a marqué. Si, adresse, Scotland Yard, division homicide, a-t-il dit. Quoi? il n'aimait probablement pas ta tête, Pepino. De toute façon, ce n'était pas juste méchant. Enfin, je n'ai pas été rude. J'ai juste demandé poliment. Et c'est pour ça qu'il me l'a dit. Et c'est là qu'il a commencé à dire qu'il était un inspecteur. Peu de temps après, il a sorti son identification. Pourquoi t'as dit l'adresse de la police? C'est pas très mal, hein, Gregson. Mais à quoi jouait l'inspecteur Gregson? Oui, absolument. Dites à la cour ce qui est arrivé après. Vous l'avez ramené dans votre cachette, c'est ça? Oui, c'est ça. On vous croit, bien sûr. Bien sûr. Nous avons pris l'identification de l'homme et l'avons enfermé dans la pièce à côté de nous. Nous allons nous arrêter là pour cet épisode. On se retrouve dans le prochain, pour la suite. Merci à tous de l'avoir regardé. Ciao, ciao tout le monde.